Bonjour, bonsoir. Nouvelle session dans la vie de Kyle et Moral qui est toujours pas hospitalisé mais interdiction de travailler. Un sommeil en âme, mais c'est la vie. Allez, c'est parti. C'est vrai ça. C'est vrai que j'avais pas pensé, mais avec le plâtre, je vais avoir de mal à conduire de toute façon. C'est emmerdant ça. Oh, les barres sont fermées.
Bonsoir. Bonsoir, monsieur Tom. Et Comment comment ça allez-vous? va? Ah bah très bien. Du coup, c'est pour aller au bénit, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, merci. Allez, le B. Oula, j'allais emmener à la fourrière, moi. Bah oui, bien. Ça se trouve que maintenant toi t'as la forêt, mais de toute façon, avec le plâtre, je vais avoir du mal à la conduire donc. Oui, c'est sûr que c'est pas pratique. Oui. Déconseillé, et puis je suis pas sûr que ça marche. Hein. Ouais. Ça me paraît un peu dangereux. Surtout que du coup, c'est juste, je suis plus lourd d'un côté que de l'autre. Ah oui, c'est vrai que ça, j'y pensais pas, mais je pensais surtout pour guidonner le guidon, quoi. Aussi, ouais. À moins de conduire à 10 km heure. Avec la main gauche et le coude droit. Mais sinon, ça me paraît un petit peu compliqué. Ah ouais, non, mais là, c'est du tricks assez spécial, là. Ah ouais, bah justement. Et sinon, Je je sens vois que suivi. vous avez plus les... Ah oui, effectivement. Je comprends pourquoi vous vous sentez suivi. Et sinon, J'ai plus. vous avez plus les cheveux, la tenue? Ah non, la tenue, oui, c'est parce que j'étais en train de tester une autre tenue. Ah, Mais d'accord, je vois. les cheveux, non, ça c'est pas obligatoire. Hein. Ah, d'accord. Bon, je me demandais, hein, par curiosité. Sauf que... Ah, mais elle est très bien cette tenue, dites-moi. Bah, Oh, salut, je Chalet. croyais connaître Salut, toute la Axel. boutique, mais je découvre encore des nouveaux Bonsoir. ensembles. Madame. Bah oui. C'est quand même fou. C'est pour une réparation? Non, je Oui, comprends, je s'il vous comprends. plaît. Mais Et voilà la c'est vraiment facture. bien comme Merci. ensemble. Ah, ouais, je trouve ça va bien ensemble. Bah, j'espérais qu'il y a un bob avec le Ouais. même motif, mais j'ai pas trouvé. Oh, bon, je comprends, oui. Ça aurait été nickel. Bah, là, ça aurait été T'aurais fait une incroyable. seule tenue accordée, bien accordée. Bah, oui. Ça aurait été trop cool. Et sinon, je vais passer la pub aux news pour vos pubs. Oui. C'est trop cool, ça. J'ai déjà reçu un message pour une personne intéressée. Faut que j'en parle à Phil pour qu'on mette une publicité de mon pour Bah oui, bah hier il me disait qu'il était peut-être intéressé, mais fallait voir. Bah ouais. Après, je pense aussi qu'hier ça avait l'air un petit peu. Comment dire. L'éventualité qu'un jour on puisse mettre les pubs, quoi. Mais du coup, vu que c'est le cas, bah. Ah oui. Voilà. Ah non, bah c'était l'éventualité parce que je savais que l'article allait bientôt être publié. Alors, comme ça, je comprends mieux aussi. Hein. Mais voilà. Ah bah là, oui. Je Comme comprends ça, je mieux. reprends l'habitude de ressortir les taxis avec la pub et tout. Et Comme ça, ouais. les gens, ils voient où est-ce que la pub elle va être, Sarcalé. Ouais. Tout ça, Salut, tout ça, camarade. quoi. Salut, salut. Ça va? Bah, écoute, oui, à peu près. Je serais bien. J'aurais bien profité de mon arrêt de travail pour aller boire un verre, mais les bars sont fermés, donc. Petit queue de patate douée, elle est ouverte tout à l'heure avec deux employés. Ah ouais, d'accord. D'accord. Après, si vous voulez aller au bar, je sais que normalement, 23h30, les taxis, on va boire un coup. On sait pas où, mais on y va. Ah bah pourquoi pas, hein. Ça dépend. Toute façon, je peux pas bosser donc. Vous y allez en tenue ou pas? Ah oui, en tenue, oui, bah là, Ah. j'ai tester autre chose pour voir, mais oui, la tenue, non, toujours. Et si je suis pas entendu, c'est ok quand même. Bah, après Calais, jusque-là, je t'ai pas recruté chez le taxi, hein, donc C'est tu fais vrai, comme tu c'est veux. vrai. Je l'avais pas vu comme ça. Après, si tu veux de venir postuler chez les taxis, bon bah je te laisserai en liste d'attente parce qu'il y a encore quelques demandes que j'ai pas répondu. Bon, ça ira, Ah merci. oui. Bonsoir Calais. Ça ira. Salut Franck. Salut Pinch. Mais Eh ça ben. ira, je suis bien ici. Ah ouais, bah autrement t'aurais été troisième sur la liste d'attente. Eh ben, vous en avez de la liste d'attente. Ah ouais, c'est fou, même moi je m'en rends pas compte de. Waouh, ça fait bizarre. Ah, on va pas. C'est bien, c'est bien. Il n'y a personne qui vient chez nous. Ah là là.
Ah bah après, j'ai un monsieur Skiff et un monsieur Ardin qui... D'accord, Axel, mais bien. Oui, Axel, quand fait... même. Quand tu fais les taxis, quand vous avez acheté combien? 5 personnes? 6 personnes? Oui, c'est sûr que vous, comme ça. Je dis, attends, le tequila a recruté 3 ou 4 personnes. Pareil pour le vigneron. Ah non, mais les taxis, on a recruté... Bah après, là, en ce moment, en plus de moi, il y a quoi? Il y a, ouais... 5, 6 personnes. On va dire 5... Bah... On va être 7, 8 si on compte Blair qui est mis à pied. Mais en taxi très actif, on va être 5, quoi. C'est plus pour vous. Mais hier, ouais, c'était le rush et on a réussi à tout prendre, donc c'est hyper bien. Bah tant mieux, c'est bien pour vous, ouais. J'espère qu'on aura notre tour maintenant. Ah oui, non, bah ça tourne, hein, chez taxi, il y a des groupes. Oui, après, c'est vrai que ça. Ouais. Vous avez en plus un sacré turnover. Après, je dis ça, mais on a du turnover aussi, hein, donc. Voilà. Bref, tu vas arrêter de mettre mon pied dans ma bouche. Qu'est-ce que vous plaît, chacun ses passions, quoi. À moins que tu sois comme Chuck Norris, mais... C'est-à-dire... Bah tu connais pas sa phrase, je mets les pieds où je veux, c'est souvent dans la gueule. Ah, ça, oui. Voilà. Mais c'est peut-être pas dans mais je pense pas qu'il parle de la sienne, en fait. Alors, ça, c'est un détail. Mais par contre, des fois, c'est les détails qui importent. Oui, c'est un... T'arrives à mettre ton pied dans ta bouche avec un plâtre, c'est quand même fort. Bah... Ah, c'est clair. Et mon plâtre il est au bras, il n'y a aucun rapport avec mon pied. Bah oui, mais entre ton pied et ta bouche, il y a ton bras. Bah non, mon bras il fait pas barrière. C'est mon épaule qui bloque. Je suis en bateau, mais je suis mon épaule qui bloque un petit peu, mais mon épaule elle est pas emplâtrée, c'est juste le bras. Mais t'as pas ton bras en écharpe? Non. Ah non. Ah bah tu t'en sors bien. Bah non, j'ai le plâtre quand je le laisse pendre. Oui, je devrais peut-être pas, mais. Alors, je te le dis, je pense que tu devrais pas, mais je suis pas médecin. Après, ça se... Mais après, comme t'as déjà un bras bionique, au bout d'un moment... Au bout d'un moment, j'en aurai deux, c'est ça que tu veux dire, Franck? Non, je dis juste que les avis médicaux doivent changer légèrement. Ah oui. Ouais, peut-être. C'est peut-être pour renforcer mon épaule droite, parce que par rapport à mon épaule gauche, elle me supporte plus de poids d'habitude. Ouais. En fait, tu vas finir entièrement bionique, hein, quel est ce rythme-là. Non. Non. Mais si. Non. T'inquiète. C'est l'inverse qui m'inquiète, Franck. Que les voitures. C'est la mécanisation qui m'inquiète, Franck. Un bras bionique, c'est bien, mais au bout d'un moment... Voilà. Ah oui, ouais, je comprends. Ouais. Non, mais être un cyborg c'est bien, mais j'ai pas envie de devenir un robot, tu vois. Ah, je comprends. Je comprends. Voilà. Enfin, bref. Moi, le jour où Level Branch me dit j'ai des chevilles mécaniques, ça permet de sauter plus haut. Ah, là j'y vais. Comme ça, je vais pouvoir passer un dunk. Ça, ce sont des rêves inatteignables pour le coup. Ah bah écoute. Après, j'ai l'impression que dès que ça parle de sauter, ça intéresse beaucoup plus de monde, quoi. Alors, c'est possible. La sortie du contexte. C'est tout. Oui, par contre. Moi, dit comme ça, il y a un truc que j'aimerais bien, ce serait d'avoir un parachute réutilisable dans le dos. Ah oui, un parachute. Ah. D'ailleurs, ça me rappelle que j'ai plus de parachute. Ah oui. Bah ça fait l'éternité que j'ai pas acheté de parachute, moi. Bon, est-ce que vous avez un robot pour le taxi? Non. Voilà. Mais en vrai, un hélico-taxi, ce serait une branche à développer. Mais un hélico-taxi, ce serait trop bien. Ce serait trop bien. Je pense qu'avant d'acheter un hélico, on achèterait une limousine. Ah mais la limousine aussi, c'est une super idée. Les deux.
L'hélico et la limousine. Un cargo-bob taxi qui soulève une limousine. Oh bordel. Ah, le bazar. Ah ouais, ouais, ça c'est... Ah bah là, ça fait des contrats... Ah bah, on va faire des sacrés contrats comme ça. Ah bah oui, oui. C'est bien. Et puis, du coup, il va apparaître sur contrat Venise. Bah oui, oui. Oula, doucement. Il y a moyen que le contrat Venise, il augmente légèrement. Un petit peu, oui, un petit peu. Mais juste, après, comme je dis, du coup, on est loin. Très léger. Très léger. En tout cas, hâte d'avoir la limousine. Hein. Le jour où vous avez la limousine, je vous appelle non-stop. Hein. Je circule plus, je vous appelle. Ah là là. Parce que tu circules hein. Déjà beaucoup en voiture, quoi. En voiture, non, mais en moto, oui. Ah oui, oui, la moto, oui. Mais je n'utilise plus la moto, hein. Je fais que les appeler pour la limousine. Tu me diras. Ça... De toute façon, à mon avis, le jour où on a une limousine chez les taxis, vous en entendrez parler. Hein. Ouais, je pense, oui. Qu'investir dans un véhicule, c'est bien, bon, mais le rentabiliser, c'est mieux. Je vais prendre l'intervention. Ok, ça marche. Vas-y. Je m'occupe de l'appel ou quelqu'un y va pour... Bah, tu viens avec moi. Allez. Mais je pense, oui, qu'on va entendre, on va entendre vite parler de la limousine. Il me semble, non. Ah oui, oui. Bah, de toute façon, dès qu'on a un filon, on essaie de le rentabiliser. Hein. Ah bah, normal. Ah là, normal, normal. Le petit rectangle de pub, maintenant, c'est de l'or. Hein. Parfait. Ah, oui, oui. Allez, à toutes. Bah, on plus, on essaye, on verra. Ah mais en vrai, moi je suis très partant. Hein. Partant pour mettre une publicité de mots pour moi là-haut. Bah, après, ah oui. C'est Phil le président, donc c'est lui qui décide, mais je trouve que c'est une très bonne idée. Bah, de toute façon, l'article est sur Weasel, maintenant j'attends les propositions. Les candidatures. J'en ai déjà reçu une, non? Donc il reste plus que 3 places. Let's go. Ah, mais je trouve que c'est une excellente idée. Bah, c'est encore une idée que c'est pas moi qui l'ai eue. Oh, c'est quand même une bonne idée, soit parce que. Ah, oui, non, mais c'est que j'ai des bons employés en ce moment. Bah, ouais, bah, c'est bien. À une employée qui donne l'idée des pubs, un employé qui donne l'idée des tenues. On est sur un sans faute là. Ah, ouais, ouais, vous avez de la qualité là. Là, t'as compris qu'il refuse de changer. C'est pas super, super. Ah, oui, voilà, par contre, on peut pas être 100% que du bien. Il y en a qui veulent pas se conformer aux règles. Ah, ouais, non, mais ça va bouger. Hein. Ouais, j'imagine. Même hier, Blair, il est venu en tenue de taxi. Eh ben. Ah, ouais. Alors que pourtant, il était mis à pied. Oui. Eh ben. Et c'est ça qui est beau. Oui, oui, c'est beau, oui. C'est bon, c'est bon. Bon, allez. C'était pas tout, mais faut bosser un moment. Hein. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, monsieur Tom, d'être venu me poser. Ouais, bah, pas de soucis. Puis peut-être à dans pas très longtemps, ça dépend de la taille du taxi. Ouais, de la tête marche. Du taxi. Ça marche. À bientôt. Parce que la taille, elle devrait pas changer. Hein. Ah, on espère que bon. Ça dépend, hein. Tu prends deux murs et puis c'est bon. Si vous enfoncez suffisamment dans un mur, la taille va changer un peu. Ouais, mais je veux pas non plus que ma taille à moi elle change non plus. Ah non, ça je comprends. Et ben bon courage, monsieur Tom, à plus tard. Et bah ouais, bonne soirée et puis peut-être à dans pas très longtemps. Ouais, bonne soirée. Je n'arrive pas à voir ce que ce truc. Quel truc ? Déclaration du patrimoine des conflits d'intérêts. Ça doit être pour les élections. Mais c'est quoi le conflit d'intérêts ?
conflit d'intérêts. Ouais. Alors pour Champ Petit, je sais pas. Enfin pour les autres, je sais pas, mais je comprends pas ce que Francesco aura un conflit d'intérêts avec le Belize. Il est employé, il est pas patron. Mais comme les autres. Après, je sais pas qui est le patron du Weasel actuellement. C'est pas Winter ? Ah ouais, bah du coup Winter il a bien un conflit d'intérêt avec le Weasel. Par contre, je pense que Petit Roussel. Je pense pas. Hein. Mais bon. Écoute, je sais pas. J'aimerais savoir ce qu'ils ont comme patrimoine. Du coup, c'est écrit ? Oui, mais bien, quoi ça te sert ? De savoir ça. Eh ben, franchement. Je pense que c'est pour savoir à quel point la personne est riche, sur un point de vue, comment dire, estimatif. Sauf que bon, ça marche pas tant que ça, parce qu'au final, Francesco, il a juste une coquette en voiture, sauf qu'il a un hélico à côté. Alors que tu vois, la liste de possessions de Monsieur Petit Roussel est beaucoup plus longue, mais bon, Cliffhanger, Tricycle... L'oracle, Paradise, c'est rien non plus de... Putain, l'hélicoptère, c'est son nom. Tiens, c'est vite étrange. L'hélicoptère quoi? Et à Francesco, c'est très étrange. Bah oui, alors un écho. Oui, mais il ne devrait pas l'avoir, ça. Pourquoi? Parce qu'il a monté l'association, le machin, là. On le met. Et on sent tous... Il a acheté avec l'argent de la société, enfin, du truc Hero Santos. Donc normalement, l'hélico doit pas être à son. Ah bon? Ou alors, c'est plein de détournements de fonds pour moi. Ouais. Bah, quand tu utilises les subventions pour te payer ton truc, si c'est un détournement de fonds. Non, mais c'est pas ça, c'est que je croyais qu'il l'avait économisé. Donc ça me surprend. Il lui manquait 80 000. Ah d'accord. Et... Il a craqué. Je vois. La voiture. D'ailleurs, sur un autre sujet, Francesco, est-ce que t'as un radio? Il est pas là, Francesco, ce soir. Je vais rentrer le véhicule à l'intérieur. Ok, ça marche. On se pose. Axel Jarod, jusqu'à quand vous êtes resté hier soir, par curiosité? Jusqu'à minuit à peu près. Pourquoi? Vous avez croisé Michael? Pas du tout. D'accord. Ok. Je crois pas, non. Et du coup, vous étiez pas là quand? Parce que y a Francesco qui m'a parlé d'un truc sur l'intranet vis-à-vis de Ryan et de Trompare. Et du coup, vous avez pas vu cette affaire? Pas du tout. Ok, ça marche. Oh. Ok, bah, posez la question. Hein. Alors, je veux pas dire, mais on est sacrément conscient qu'on a conduit, quoi. T'inquiète. Quoi? Évitez de prendre du coup le flatbed rouge pour les inters, s'il y en a une qui arrive, il faut que je fasse le plein. Ça marche. Quelqu'un peut m'aider avec la voiture? Il y a de la carrosserie à réparer aussi. J'arrive.
J'espère que Francesco va avoir ses inscriptions pour la porte. Sinon, mais c'est mort de ma coup. Ouais. Et ça commence à être un peu tendu. Bon, j'aurais pas noté là, mais il y a quelque chose que j'ai un peu prévu demain soir, que prévu depuis. Genre. 2 ans. Donc. Ouais. Donc bon, voilà quoi. Sauf si y a personne. Par pas de course, du coup. Ah non, bah c'est sûr, hein. Ouais. Non, c'est juste que ça me surprend que toi et Axel n'aient pas croisé Michael hier, parce qu'il semblait qu'il avait dit qu'il serait là lundi soir. Après, moi aussi, je suis pas trop couché, donc s'il arrivait plus tard. Ouais. C'est possible avec lui en plus. Hein. Mais c'est ça. Du coup, pour cette semaine, pour l'instant, on est où? Mistral, gouvernement, Campae, SMS, et c'est tout. Non, attends, il y en avait un autre ce soir, c'était. Moi, c'était les SMS. Bah, du coup, qu'est-ce que j'avais payé l'autre soir? Ah non, c'était pas pour le contrat, le SMS. Ah, le SPD, du coup, le contrat du SPD est payé ou pas? Je vais voir la France.
Franck, est-ce que du coup le contrat de l'expédier a été payé? Parce qu'ils ont laissé un message sur la messagerie, mais il n'y a pas encore la coche sur le doc. Ouais, ouais, c'est fait. Ouais, il faut que j'arrive à faire. Ok, ça marche. Du coup, c'est pas mal, hein. On est quoi? On est mardi soir. Il reste plus que G6 les taxis qui souvent payent à la fin de la semaine. Et le domaine de l'aube. Plutôt pas mal. Le domaine de l'aube, vu qu'ils ont comment fait leur premier paiement, enfin, pendant le milieu de la semaine dernière, je pense que on va payer tout de suite. Il faut qu'on vérifie parce que donc, il y a une sorte pour faire un paiement. Du coup, j'ai fait la facture avec des pires montants. Mais. J'ai pas vu de passer. J'ai rien compris. Tanguy est passé pour faire le paiement. Du coup, j'ai fait la facture. D'accord. Et j'ai payé un montant en domaine. Ah. Mais vu que j'ai pas vu de montant passer, je crois qu'il l'a pas fait. Ou j'ai été dans la lune et j'ai pas vu la notification. C'est pour ça que Franck doit vérifier. Merde, je suis déçu. De quoi? Bon, il est sous contrat, le véhicule est sous contrat Sentencia. Eh oui. Je m'attendais à recevoir 1000$. Non. Ah, coucher la case. Par contre, en vrai, le problème, Jarod, c'est que le contrat du domaine, c'est seulement 12 000. Je sais pas si Franck il va voir la différence dans la caisse du pays. C'est-à-dire. Je vais juste appeler M. Tanguy. Je lui ai laissé un message, il m'a pas répondu. Et je l'ai appelé, je lui ai laissé un message, il m'a pas répondu, donc il est pas là, je pense. D'accord, ok. Parce que j'arrête de la croiser et il voulait payer le contrat, donc j'arrête de la faire la facture. Oui, il n'a pas vu passer le, il a pas vu passer le paiement. Oui, oui, il m'avait expliqué, Jarod. Je peux pas vous dire. Tu sais quoi, ça me surprend pas du tout. Vu le montant qu'il est censé avoir dans cette caisse, ça me surprend pas, ouais, tu vois ça. Pas une différence de diffus. Bah, en fait, c'est surtout, comment dire. Il y a 75 000 qui viennent de rentrer, donc... Bah oui, oui, non, mais complètement. Hein. Puis vas-y, non, je vais pas calculer le salaire que m'a pris Jarod depuis sa présence pour diviser, savoir ceci, cela... Non, mais complètement, complètement. C'est comme si... Ah, normal que tu vois pas. Oh, bon sang. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, ouais. On est plus très loin des 7 chiffres. Voilà. La barre fatidique se rapproche dangereusement. La barre fatidique de 7 chiffres. Bah tiens, je vais en profiter, je vais mettre, je vais noter ça. Hop. Je m'ennuie. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'ennuie. Je peux rien faire avec un bras dans le plat. Je peux même pas aller prendre mon quad et aller faire une balade. J'ai oublié ça sans doute. Là, tout est fermé, non? Ouais. Oh, bon. Ah, j'ai cru que, mais non, désolé, monsieur. Pourquoi est-ce qu'il y a un vélo par terre? Parce que Jarod il l'a shooté avec le flatbed. Et du coup, pourquoi il est toujours par terre? Que j'ai eu la flemme de le ramasser.
D'accord. Mais en fait, j'ai été déçu par moi-même de plus être capable de passer par-dessus ce... Le muret. Ce muret. Ouais, ouais, c'est terrible. J'arrive, je commence à y aller à fond, je sprint, et je saute trop tard. Ah ouais, non mais ça c'est... Écoute... Du coup, depuis que t'es devenu gérant, t'as pris du gras... Ah, oh, putain, la vache, ça attaque violemment, je crois que j'ai... Oh, c'est une vague, Jarod, tu rigoles. Jarod. Ah, oh, Jarod, en plus, ouais, d'accord, super, vas-y. C'est une blague, Franck. Je suis parti aussi. Oh, mais non. C'est bon, c'est pas de ma faute si vous êtes remplaçable. Ouf. Okay. Bon, J'arrête. Mistral recrute ou pas, Franck? Alors, quel est... fallait que je te l'annonce, hein. Je voulais pas le faire ici pour tout le monde, mais t'es viré du coup. C'est pas ça que ça fonctionne. Surtout que je vois que tu commences déjà à être débauché par les autres entreprises. Bah écoute. Surtout vu mon talent au volant d'une voiture, ça me paraît très approprié de devenir taxi. Ça va bien, tout va bien se passer. Au moins tu continuerais de travailler pour le Denise. C'est vrai. Et au moins j'aurais la présence d'esprit pour passer par Forum Drive. Parce qu'il y en a qui ont eu la présence d'esprit de passer par Forum Drive. Oui, hier soir. Non, attention Franck. Ah, j'ai fait un stack sur votre planète, c'est quoi ce délire? Ouais, je sais pas, mais bon. Ah. Qui se bat pour la mise en fourrière? Enfin, moi, je peux pas conduire. J'ai pas pris la dernière. Viens, je t'accompagne. Je peux pas conduire, mais je peux au moins m'asseoir sur... Je peux m'asseoir sur le siège passager, quand même. Oui, je suis sur le vélo. J'ai pas fait le plein d'essence. Ah, tu vas dépanner en vélo? Bon, j'aime bien. Tu me ramènes le véhicule en fourrière à bord de vélo. Je vais ranger le mien aussi, tiens. Je mets une chaîne au vélo. Je mets une chaîne voiture. Je tire, allez. Enfin, le gars. Ah, ça me paraît le bon plan. Hein. Avec Jarod, on a décidé qu'on allait mettre un crochet et une lanière sur le vélo pour pouvoir mettre un véhicule en fourrière avec le vélo. Ah ouais. Ah, ils ont cru, hein. Je pense. Alors, c'est où? Je n'ai même pas regardé. Pas par là. Fais faire le tour. Ah, je crois qu'elle a voulu taper une voiture, puis nous a vu. Mais pas par là, c'est... Oui. Mais c'est juste comme... 2 km? C'est où? C'est loin, 2 km? Ah oui, c'est tout au sud. C'est Ouais. Tu te souviens là où on avait fait la pause quand on a fait notre sortie moto avec Oliver juste avant qu'il parte? Oui. Et ben c'est par là, c'est juste au début de la route, la petite route qu'on avait pris. Je vais essayer un truc, Axel. Ok. Par contre, juste, faut que toi tu te décales. Okay. Bouge pas, mais décale-toi. Oui. Ordre et contre-ordre. Ouais. Est-ce que t'es en train d'essayer de passer par-dessus le muret en utilisant Axel pour te propulser? Alors non, j'essaie de me servir du muret pour t'aider dans le coffre de la voiture d'Axel. Ok, ça va alors. Parce que te servir de tes employés comme tremplin, c'est pas très très éthique, Franck. Et félicitations! Il saute plus haut que toi, tu voles en hélicoptère. On s'attaque. Je suis actuellement en train de supprimer ton numéro de mon répertoire téléphonique. Non, c'est comme ça, non. Après, dis-moi, je t'ai déplacé juste la voiture, c'est un peu ça. On y croit autant que quand je te dis que t'es viré.
Bonsoir. Il est possible que je supprime pas son numéro, que je mette juste un smiley méchant dessus. Ah bah là, ça me va alors. Bon sang, monsieur. Bonsoir. Je suis juste là pour la balade, moi, parce que de toute façon, avec le plâtre. Oui, vous avez toujours votre balade un peu. Mais bon, au bout d'un moment, je m'ennuie donc. Bah, c'est sûr, oui. Ça va durer combien de temps, votre bras, pardon? Je crois que ce soir, ils vont pouvoir l'enlever. Fin de soirée. Ah, bon. Bon, c'est une bonne nouvelle quand même. Ouais, c'est plutôt bon. Ah, oui. Ok. Bah, je vais vous suivre. Ok, pour une fois. Ça marche. Et bah, parti. Ah, ouais. Bon, bah, parfait. Suivre pour un véhicule volé, c'est rare, ça. Ouais, écoute, je prends. Peut-être qu'ils ont juste rien d'autre à faire. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont ennuyés un petit peu. Parce qu'ils sont. Ils sont ennuyés un petit peu. Ouais, ouais, je pense que c'est ça en vrai. Ah putain, cette route, oh là là. Poussez-vous! Allez, qu'on de mime là, voilà. Non, mais voilà, au bout d'un moment. C'est pas possible de bloquer la route comme ça. Non, c'est... Ouais. Quoi qu'on peut passer par là, je crois. Je sais plus. Aucune idée. Ah voilà, ça circule mieux ici. Oui, ça fait du bien. Ouais. Alors, let's go. Oula, oula. Ah oui. Je fais même pas gaffe à la... Putain, le mec en moto les sort hein, quand même. Moi, je le serais peut-être pas le soir. Ouais, moi, ça me ferait un petit peu plus peur que ça. Hein. Une fois, il y a un bus qui m'a rabattu dessus en vélo, je t'assure que je suis allé porter plainte pour tentative de meurtre. Donc, pas dégueulasse du tout, cette petite véhicule noir et rouge. Je sais pas ce que c'est. Ouais. Bon, ok. Je vais aller voir. Ouais. C'est quoi? C'est un Ranger X. Un Ranger X, d'accord. Eh ben, j'avais jamais vu, mais c'est plutôt cool. Pareil, ça me dit rien. Je crois qu'il y a un mec qui nous a insulté sur la route, sur le trottoir. Pas grave. Ouais, on s'y fait, hein. Oui. Les gens dans cette ville, en plus d'être fous, ils parlent plutôt mal, en vrai. Bah ça... Ils sont tous tendus, hein. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah. Et on est reparti! Et on est reparti! Il appelle le... T'as pris l'appel ou pas? Je le prends. Au Weasel. Ok, c'est que je vois. C'est au Weasel. Moi j'ai pris l'appel. Ok, ça marche. Bam.
Bah, par contre, c'est où? C'est là ou de l'autre côté? Je pense que c'est de l'autre côté. Ah, bah y'a rien, c'est. Si, va tout droit. Non, je vois rien. Moi, je vois après, hein. Ouais, vas-y. Allô, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Oui, on vous appelle parce que bah on est au Weasel, mais on voit rien de spécial. Alors oui, alors en fait, il va falloir passer par le parking. Ah d'accord. Oui, voilà, il va falloir passer dans la petite allée. Ah, j'ai réussi à monter dans la voiture, très bien. Ok, je vois. Oui, donc on retourne sur le parking à l'arrière, et ensuite, petite allée, d'accord. Et ben on arrive. Ok. À tout de suite. Oui, à tout de suite, pardon. Non, pas de soucis. Pas de problème. Ah, du coup, t'avais raison, fallait bien. C'est pour une fois. C'est un parking de rire. Aïe, aïe, aïe. Un parking de rire et petite allée. C'était vraiment juste pour le plaisir de prouver que j'avais tort. Ouais, par contre, je sais pas ce qu'il fallait dire en plein dedans. Je pense que ça passe. En forçant un peu. Si, ça passe. Faut juste bien viser. Voilà, nickel. Ah oui! Je comprends le problème tout de suite. Oui. Alors, on va se mettre ça sur le. Bonsoir. Alors, en fait, elle était bloquée à l'intérieur du Bénise. Et je l'ai pris. Et je l'ai fait rouler doucement dans le hall. Et je pensais qu'elle passerait, mais elle passe pas. Elle était à l'intérieur du Bénise? Du Bénise, du Weasel, pardon. Ah, d'accord, ok. Elle était à l'intérieur du. Bah, elle était à l'intérieur du Weasel, on sait pas pourquoi, on sait pas comment. Et. C'est la porte la plus grande, donc il n'y a que par là qu'elle pouvait passer, quoi. Ouais, bien sûr. T'as déjà pas monté dedans, je sais pas pour toi. Non, j'ai galéré à monter dedans et... Enfin, à remonter dedans parce que je suis et oui. Alors. Bah. Ah, ah. J'avais pas vu qu'il était remonté dans le flatbed, ça m'a fait par surprise. Oui, mais du coup je sais. Qu'est-ce que. Il y a une fois plus de véhicule. Jarod, arrête, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Vas-y, retourne-toi. Faudrait faire un avis de recherche. Je crois qu'un des patrons vient de se faire enlever. De quoi? Comment ça? Bah, il était devant moi, j'ai tourné le dos, il est plus là. Et du coup, retourne-toi. Non mais c'est bon, c'est bon. De 9-3-4. Ah, vous passez à Poudlard? Ah, ok, je viens de voir le docteur passer. Je crois que ça brûle plus. Ouais, ça brûle plus là. Hein. Attends, j'ai pire, je vais fixer le moteur. Ouais, je pense que c'est mieux. Vas-y. C'est qui l'hélico?
Ok, voilà, comme ça. Bon, j'ai coupé l'arrivée d'essence. Mais le problème, c'est que tant que t'as pas rentré dedans, la réparation, elle est relative. Ouais, je sais. Ce qui me casse les couilles. Ouais, j'ai vraiment mal mis, mais en même temps, je peux pas la sortir plus... Enfin, ouais. Et si je l'avais laissé à l'intérieur, le flat... Oui. Oula. Je sais pas trop ce qui était mieux ou ce qui était pas mieux, là, oui. Ouais. C'est une situation compliquée. Oui. Honnêtement, je pense, Jarod, vu que toi, pour toi, il est relativement fixé, c'est peut-être mieux si c'est... Je pense qu'il vaut mieux essayer de la renfoncer, hein. Alors, pour moi, il est pas... Il fume encore. Ah. C'est un souci. Ah non, j'ai pas pu monter dedans. Pour mettre le petit cachet sur le tableau de bord. Ouais, bien sûr. Eh ben... Ouais. Sinon, faut que j'ai la charge sur le flatbed. Mais comment elle fume, ça me fait peur, quoi. La charge sur le flatbed. Hmm. Mais... Ouais, attends, je sais comment je vais faire. J'espère que ça va marcher. D'expérience, j'ai déjà vu deux fois quelqu'un mettre une voiture qui fume sur un flatbed et les deux fois le flatbed explosé, quoi. Ouais, j'ai mauvais souvenir également. Oui, bah oui. C'était peut-être avec, je sais plus, au vignoble. Cartez-vous, un hélicoptère. Un vignoble, et un hélicoptère et trois médecins. Oui. Ça vous dit rien ? Si, ça me dit vraiment quelque chose. Je crois que j'étais là. Avec moi, je crois que j'étais au niveau de l'hélicoptère quand il a explosé. Oui, moi aussi. C'est tellement un sale bail. Oui. Sur ça. C'est vachement pris, même s'il y a le mur, je sais pas trop si. Oui. Oh, qu'est-ce qu'il fait, monsieur Rousset ? D'accord. Ah oui, aux premières loges, quoi. Ah voilà, oui. Oui. Eh ben. J'allais dire, ou alors je prends une autre voiture et je la pousse, mais je crois que c'est ça qu'on avait fait au vignoble. En fait, pense que ce qu'il faudrait, c'est peut-être pas une voiture, il faudrait peut-être une moto pour la pousser de l'intérieur. Oui. Vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Oh là, si je fais rentrer ma moto dans le weasel, je sais pas ce qu'ils vont penser, les patrons. Une panto, une toute petite voiture. Ah, une panto ou une moto, là ou l'autre. Je la pousse pas, je la pousse pas. Parce que je pousse pas de force. Je vais chercher ma moto, même si je le sens mal. Sinon, tout le monde part loin et vous laissez faire la secondaire, au pire. Ouais, ou sinon on va à la mairie demander l'assistance de leur secrétaire. Voilà, je m'en vais très loin. C'est une panto. C'est une panto, le secrétaire de mairie. Oui, Ah oui, j'ai cru l'avoir rencontré une fois. C'est très, très sympa comme secrétaire, d'ailleurs. C'est un concept. Oui, ah bah carrément, oui. C'est... très conceptuel. Oui, ouais, j'espère que... Ah oui. Vous avez un casque, j'espère. J'espère que vous avez un casque. Oui. Petit à petit, la voiture passe la porte. Oui. Mais vraiment petit. Femme de ménage, elle va m'engueuler pour les traces de pneus. Hein. Peut-être un peu. Mais bon, si je préfère. Oui, je préfère que ça soit que ça, quoi. Ah oula ! Vous allez bien ? Ça va aller ? Vous allez bien ? Ça va, monsieur ? Je crois qu'il a coincé sa moto. Non, je crois qu'il en peut plus.
Les deux. Est-ce que maintenant on peut monter dedans? Un peu mal, mais ça va le faire. Je crois que c'est encore coincé au niveau des portes. Encore un peu. Putain. Encore un peu. Encore un peu. Là, on est presque. Oh oui, presque. Oh oui! Oh, magnifique. Ah, ça, c'est fabuleux. Oh oui! Est-ce que ça va, monsieur? Vous avez besoin qu'on appelle le SMS? Non, c'est ok. C'est... Ça va le faire. J'ai mal partout, mais ça va le faire. J'ai pas. Oui. J'ai mal partout, mais c'est pas. J'ai juste. Oui. Non, mais ça va le faire. Jarod, est-ce que tu peux venir à l'intérieur aussi? Ah oui, c'est vrai qu'elle a pris un peu, oui. Ouais, pour donner un petit coup de... Pour donner un petit coup de clé à molette sur le... Sur la moto. Sur la moto. Parce que la, on va dire que la peinture a un petit peu morflé. Oui. Non mais écoutez, du coup, une opération réussie. Bah oui, mais rien n'a explosé. Oui. La voiture est dehors, rien n'a explosé. Oui. Et bravo pour merci pour la moto, hein. Merci de nous avoir aidé avec la moto. Ben de rien, je crois que j'ai jamais été autant utile sur une opération bénisse, même quand j'étais au bénisse quoi. Oui. Donc, bon, faut pas faire ça, Williams. Je vais ranger la moto, hein. Oui, bonne soirée. Et bonne soirée, monsieur. Oui. Et bonne soirée, monsieur petit. Oui, oui, bonne soirée. Oui, et ben bonne soirée, merci. Hein. Oui, de rien, bonne soirée. Oh, le klaxon poète, c'est la cerise sur le gâteau. Du coup, il y a eu son fourrière. Ouais, je pense, hein. Ah. Je peux pas rentrer dans le véhicule. Merci, t'étais à peu près du mur. Pouh. Ah oui, en fait, j'ai vu la... Ça va, sur un père, ça se passe comment là? Bah écoute, ça y est, on s'en sort, on amène le véhicule à la fourrière et puis on rentre. Ouais, parce que ça commence à m'inquiéter parce que là, il y avait plus personne qui parlait réellement et l'une, enfin, j'ai entendu quelque chose après, mais l'une des dernières choses que j'ai entendues, c'est Jarod, bouge de là, ça se prend. Non, non, mais ça, c'était il y a longtemps, là. C'est bon, entre-temps, la voiture, elle a arrêté de prendre feu. Tant mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, ça me fait rire, c'est tout. Okay. La situation me fait rire. Je crois que c'était n'importe quoi. Ouais, c'est ça, du début à la fin, n'importe quoi. Oui, en fait, j'ai vu le message du Dr. Branch. Vous avez pu installer la pièce manquante pour la climatisation? Ouais, j'y suis allé en fin d'après-midi. Ah, tout super. Super, super. Ça me fait penser à ça. En fait, Franck, tu me dois $1000, s'il te plaît. Tu m'en dois... quoi? Non, c'est parce que j'ai fait j'ai été mis dans des retraits de fourrière pour des clients, pour l'enlever des stickers. Ah oui, d'accord, oui. Allez, let's go. Allez. Thank you.
Pourquoi? Oh, faut pas penser de costume. Je sais pas pourquoi pour rester là, mais je suis la fatigue. Oh, c'est juste. C'est, voilà, c'est faut pas trop vouloir. On manque de distraction et hop. Alors, c'est le débarquement. Allez. Ah oui, effectivement. Ça débarque bien. Beaucoup, oh là là, vous êtes tous beaux comme ça. C'est... Ah, j'ai... En fait, quand j'ai désaligné, je me suis dit, ça fait plaisir à voir comme ça. Je vais pas faire ça, mais je suis quand même... Ah bah on est magnifique. Je suis quand même pas un gamin. Ah, oui, vraiment en même temps, le jaune, c'est pas mettre du baume au cœur. C'était trop, trop bon. Bah là, c'est très réussi. C'est tentant quand tu le vois comme ça. Mais les soleils de Xanthos, parce que Xanthos, c'est plusieurs soleils. Là, oui, là, vous me bombez le cœur. Vraiment couleur canarie. Là, vous me bombez le cœur. Et on est un peu des inséparables, en fait. Mais oui. Oh, c'est tellement beau ce que tu dis. Ouais. J'adore. Oui, oui. Notre logo, ça va être un canari. Oh, ça serait tellement adorable. Un petit canari. T'essaies de contacter quelqu'un oui. Pour qu'elle fasse un logo avec un canari, Tom? Non. Pour mettre sur tes taxis, là? Un petit logo canari sur le taxi? Alors, non, pour l'instant, c'est pas... Attends, et chaque chose tout en son vrai. Temps. Ah. Moi, je presque déçu. Non, mais moi je crois en la conspiration comme quoi tout ce que t'as essayé de deviner était correct. J'y crois. Bon, allez, je file, moi je dois aller aux toilettes aussi donc. Let's go! Moi je vais me piéter. Ah ouais, bah nous on va boire un coup avant. On ira se piéter. Et bah. Amusez-vous bien? Bah ouais, et puis à la prochaine, hein. Ouais, ça marche pas de soucis. Ah oh bah attends, parce que j'ai deux véhicules à ranger avant, donc je suis pas parti. Ah oui, c'est vrai. Bon, rien, c'est... Je fatigue. Rien faire, c'est fatigant. Il t'est cul de verre ou pas? On peut aller faire un tour au pire. Oh, t'es cul ouvert, oui. Pourquoi pas, ouais. Je vais ranger au vélo. Ça marche. C'est vraiment bien les ONF 3 quarts de temps en route. On va y arriver, je crois. Ah mince, je crois que tu veux jouer à Keep It Level. Ah, je crois en vous, ça va le faire. On va te faire se coucher, puis on y va. Ouais. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Aïe.
vais chercher ton argent. Ah, merci. Franck, petite question. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point t'as l'impression d'être devenu un porte-monnaie ambulant maintenant que t'es devenu gérant? Je préfère pas répondre à ce type de questions. Mais on est sacrément haut. Ah, je suspectais un petit peu ça. Ah. Je m'attendais un peu à cette réponse. Ouais, bah ouais. Du coup, j'ai dit ça. Ah non, il manque un 0. Voilà. Ok, merci beaucoup. Bon, ouais, bah, bonne soirée à vous. Ouais, bonne soirée à toi aussi, repose ton bien. Bonne soirée, Franck, reste bien. Bon, bonne soirée. Bonne soirée. Salut Alice, ça va? Mais coucou! Salut, salut, comment vas-tu? Ah bah ça va, et vous? Ça va tranquille. Mais écoute, à part le plâtre, ça va. Ah merde, qu'est-ce qui t'est arrivé? Chute de Krakobob. Ah! Ah! Voilà, ah oui. ça pourrait être pire. Ça pourrait être bien pire. Chute de Krakobob en marche? Oui, en l'air. Oh, je vois pas comment ça pourrait être pire, quoi. Bah, j'ai eu juste le bras droit cassé, quoi. Ça aurait pu être pire. Ah oui, pire dans ce sens. Ça aurait pu être vraiment pire. Mais bon. Imagine, je serais mal tombé, je me serais brisé la nuque, je serais mort. Bah, j'ai pas envie d'imaginer ça, ça va pas, non? Bah oui, mais ça aurait pu être vraiment pire, du coup. Bref. Ouais, ouais. Sinon ça va. Sinon ça va et toi? Bah tranquille. C'est. Ouais. Je reviens de la mairie là. Gros rendez-vous. Ah ouais? Ouais, on a parlé de l'assaut, micro-entreprise, tout ça. T'es dans une assaut toi? L'assaut qui fait des courses. Ah oui, c'est vrai, oui. Tout à fait, oui, j'avais oublié. Mais oui, complètement. Alors, j'ai Oliver aussi qui m'a contacté pour faire des. Une collaboration. Ah, avec sa cop? Ouais, avec la cop. Bien sûr. Je vois. Et voilà. Et merci beaucoup. Je vous fais la petite facture. Hop. Et merci. Eh ben c'est parfait. Je vous remercie. Passez une agréable soirée. Bah merci vous aussi. Francesco est pas là? Pas ce soir. Non, je crois pas. Ah merde. J'aurais bien aimé m'inscrire à la course avant que ce soit trop tard. Mais c'est pour le formulaire. T'as pas besoin de contacter Francesco? Ouais bah pour payer. C'est après je demande les frais demain. Bah j'espère parce que. Imagine. Ouais. On est un tout petit peu pressé. C'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, on va vous prendre en charge très très vite. Merci beaucoup. Pas de soucis. Rebonsoir du coup. Rebonsoir. Ah, j'adore votre chapeau. Merci beaucoup. J'adore vos cheveux. Ah, merci. Avec de la couleur et un petit peu de gelée, j'adore. Oui. Oui. La preuve en est, il y a mon 4x4 là-bas. Il est gelé. Il est où? Il est tout au fond là-bas. Bah, c'est plus un pick-up qu'un 4x4, mais. Ah oui, là-bas, je l'avais pas vu. C'est quoi? C'est un. On dirait, mais c'est. J'ai plus le. Non. Ah non, le gros c'est pas bien, moi c'est le petit pick-up juste à côté. Ah. Alors j'ai pas encore le budget pour des engins pareils.
le tout terrain il est à Jarod, mon collègue, dans la voiture de police. Ouais, c'est un massacre. Enfin, t'inquiète, tu les auras vite les moyens, personne. Oui, oui ça va. J'aime bien les couleurs, ça rend bien. Je vous remercie. C'est du mauve mystique et du nacrage bleu, j'ai oublié le nom. Bleu nuit, non, bleu galaxie, un truc comme ça. Ouais, un truc dans ces eaux-là. J'ai plus le nom exact. J'arrive encore. J'ai travaillé ici il y a un bail, mais j'arrive encore à reconnaître certaines couleurs. Ouais, c'est sacrément forte. Oh, merci. Ah bah, la docteur est re là. Ah. Elles sont bucky. Oui, je pense. Docteur en bifta ça parle d'une buggy. Je crois que si. Il est plus route que dune celui-là, mais ouais. Ah, mais c'est Luna. Ah, mais c'est Luna. Salut, Luna. Oula. Comment vas-tu? Ça va et vous? Ah, ça va. Ça va, écoute. T'as mieux ta blessure calée? Ah, ça commence à être mieux. Hein. Je t'avoue, je suis content à l'idée que bientôt je pourrai aller enlever le plat parce que là j'en peux plus. Et bonsoir, ouais, Calais. Bonsoir, Calais, comment vous allez? J'ai mal au bras, et vous? Comment merde. Allez-vous? Non, mais ouais. Avoir un petit gars comme vous, tout. Ouais. Ah, ça fait du bien de voir des gens sympas. Ah, bah, prenez donc. Bah, merci. Vous aussi. Ah, laissez-moi vous observer. Oula. Oh, ça fait du bien. Oula, vous allez pas prendre une photo quand même? Ouais. Monsieur René, vous avez pas subrepticieusement pris une photo par hasard? Ah non, pas du tout, j'ai juste pris ma dose de sympathie, de gentillesse et de personnes sympathiques. D'accord, ok, bah ça va alors. Non, parce que ce soir j'ai envie d'égorger le trois quarts de la ville, donc voir quelqu'un de sympa ça fait plaisir. Ça va? Non, allez. On répare la chefterie et ensuite on rentre. Ah bah, écoutez, je vous comprends. Pas dans la mesure où j'ai envie d'égorger les gens, mais dans la mesure où je peux pas travailler depuis deux jours. Et là, je m'en peux plus, j'ai envie de tout casser. Eh, d'ailleurs, c'est vrai que t'es devenu co-gérant? Non. Ah bon? Ben non. C'est une connerie. Je sais pas. Ça ne saurait tarder. Moi, je te dis, j'ai le nez pour ce genre de... Bah écoute, j'espère, ça sera plutôt bien. En tout cas, j'adore ta chemise. Merci. Bonsoir, monsieur Richie. Coucou. J'ai même pas besoin d'enlever le casque, je savais déjà que c'était vous. Ah merde, je suis grillé alors. Aïe. Ouais, juste avec moi. Et pour ça, madame Géra? Ça va mieux toi, Thomas? Bah ça va mieux, mais ouais, j'ai hâte parce que là c'est mon deuxième jour de non-travail et je vais péter un plomb. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Ouais, peut-être un petit peu. Y'a personne là-bas? Bah non, il y a quelqu'un en face de moi, par contre. Non, de quoi je parle? Mister. Bah, si ça va mieux, c'est le principal. Ouais, ouais, on va te l'enlever bientôt, ton attel, là. Bah, j'espère, parce qu'avec, je peux pas travailler, je peux pas conduire. Ah, c'est très chiant, ouais. Je peux pas aller plonger. J'ai déjà eu dans le bras aussi, le bras dans l'attel, c'est très chiant. Ah ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu dans une attel? C'est plutôt ça qu'il faut se demander, c'est plus facile. Alors tu mets ce que tu veux dans une attelle, Richie. Ah, oh, Gemma, t'as l'esprit à le tourner. C'est toi qui dis ça. Ah, dans le temps, c'est peut-être qu'ils font de la charité. Attends, vous cherchez. Écoutez, je suis là. Je comprends plus rien au call radio, c'est absolu. Non, à part ça, ça va. Bon, plutôt, ouais. Ça se passe bien. Bon. Hier soir, j'ai fait que du secrétariat. C'est pour ça que maintenant je pète un câble. Secrétariat? Ouais, c'est-à-dire j'appelais les gens pour les contrats, j'appelais les gens qui les a des messages sur le répondeur pas clair. Je faisais que d'appeler des gens. Ah ouais, c'est bien. Et c'est tout bon. Merci Jean-Marc. C'est important les relationnels. Passez une bonne soirée. Ouais, c'est important, c'est sûr, mais bon. Mais je te comprends, c'est très chiant. Ah bon, voilà. J'aimerais bien pouvoir de nouveau utiliser mes mains. Oui, oui, bah, c'est sûr. Mais y'a qui là qui est là? Franck, il est pas là?
Bon, viens d'aller se coucher. Ok. Ok, d'accord. Bon, on va te laisser, faut qu'on y retourne. Ouais, bien sûr. Allez, bon, bonne soirée à vous. Et vous aussi. Bonne soirée. Faites gaffe à vous, parce qu'apparemment, un Little Soul, ça tire. Ah bon ? T'inquiète. Bah ouais, il disait tout à l'heure qu'il y avait une fusillade à Little Soul. Ah bah, tu vois, bon, on est là. Oui, on peut voir quand ? Ah bon, voilà. Ciao. A plus. Calais ! Oui, coucou. Faut qu'on se refasse une sortie, là, tous. Bah carrément, mais je peux pas conduire actuellement, j'ai un plat. Oui, non mais pas maintenant, moi je vais pas tarder à dormir parce que je commence à fatiguer. Ok. Ou pas, enfin bref. Je suis fatiguée sans être fatiguée. après, est-ce que genre ce week-end vous êtes dispo? Oui. Non, ouais. Genre vendredi ou samedi soir? Bah ouais. Ça dépend quelle heure, mais ouais. Oui, eh ben. Quand est-ce que je suis dispo, quand est-ce que je suis pas dispo? Bah le samedi je fais ma course, du coup je sais pas à quelle heure ouais. Ça dure. Ouais, et vendredi y a rien de prévu? Bon, pour l'instant ouais. Non. Et après on peut se faire une sortie genre à partir de 22h, 23h. Ouais carrément. Jusqu'à ben, quand vous voulez, après moi c'est vrai que je peux me coucher à n'importe quelle heure ce week-end donc... Le week-end, je suis un peu moins fatigué. Ouais, moi aussi. Là, en semaine, quoi. Quoi, tu rigoles, Zarod? Minuit et demi, je suis couché. Hein. Ah ouais, non, bah, ouais, non, là, je devais. Ah ouais, en semaine. Ouais, non, mais t'avoues que je devrais être couché là, à ce moment-là, mais. Ah oui, je comprends. Disons que c'est. Ouais. Ouais, ben, on se note pour vendredi soir, au pire, vu que samedi, il y a la course d'Alice. Mmh. Après, je vais pas cacher que si personne s'inscrit, ça va durer vite. Ah oui, oui, je comprends, mais c'est comme l'histoire de Francesco. Le truc de Francesco, je dis, si personne s'inscrit, la question, elle sera vite résolue. Vous allez bien en fait, monsieur? On a vu le flash comme quoi ça tirait le Little Seoul. Oui, oui, oui. Où ça va? Ah oui, c'est vrai, t'as une d'accord. Course en plus. Il y a plus je voulais y a plus de bruit que de mal. Je sais pas. Oui, je vois. Bah, c'est mieux c'est, que ça, c'est ça que l'inverse. Hein. Oui, 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 c'est ouais. Clairement. C'est mieux, c'est bon. Techniquement, t'as un Bifta. Ah bon. Ouais. C'est un des meilleurs véhicules qui peut exister sur ce type de course. Je pourrais croire qu'un mec qui m'a dit qu'il était parti ouais. D'ici parce que pour sa santé c'était mieux s'il allait rejoindre ce genre-là. De quoi? Non, rien. Et c'est-à-dire qu'il a pour dire que pendant c'était mieux pour sa santé. Tu vois le tournoi voilà. De boxe? Ah bah oui, évidemment. Ouais. C'est pareil. T'as deux personnes qui s'affrontent et celle santé. Qui perd, elle perd. C'est important d'accord. La santé, de se bouffer des arbres en... Ok. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, je peux m'inscrire. Oh bon. Ah carrément. Est-ce que je te paye samedi ou pas? Et si tu m'en fous le scout. Ah bah tu peux payer maintenant. Bonne soirée, monsieur. Et parfait, bonne soirée. Je vais noter dans le formulaire d'inscription. Alors, prénom Luna Flower, pseudo... Oh, dites-moi un pseudo pour la course de samedi. Marguerite. Moi aussi que tu penses à me... Marguerite. Moi aussi que tu penses à faire un certificat médical. Je crois que j'en ai un que j'avais... Ah, de course, ok, ben il faudra que je le fasse. Ben je vais le faire et après j'irai me coucher. Ah putain, je voulais m'inscrire mais du coup c'est une bifta. Bah oui, Bifta, au pire, je te prête la mienne. Sauf si on se met contre l'un contre l'autre à un moment. Après, j'ai vu avec le comité des fêtes pour avoir des véhicules disponibles à l'emprunt. Ok. Dont des Bifta. Ouais. Attends, on mais peut je avoir sais une pas. Ici Sport avec des pneus. Non, non c'est offre des motos. Mais je sais pas quoi mettre comme pseudo pour la course. À l'aide. Amaryllis. Oh, je vais m'appeler Orchidée. Ah, c'est trop bien, Orchidée! C'est joli ça! Putain, il faut très joli, Fleur! Ouais, c'est joli! Ouais. Tiens, vas-y, je m'inscris!
Mais moi, c'est, je suis inscrit. Let's go. Eh ben, je vais rentrer au SMS, je vais faire mon certificat, je t'envoie par mail, d'accord, Alice? La course, c'est off-road des motos? Off-road des motos, ouais. Au quoi si ça passe pas, quoi ça passe? Et en plus, on, j'ai demandé en... Quoi ça passe? En emprunter des quads. Oh, les places de sport. Si t'as pas de véhicule, on t'en prête. Ouais, t'inquiète, j'ai un quad, hein. Du coup, Calé, par rapport à ton plat, t'es passé ce soir pour faire un... Pas encore, pas. Mais j'y allais. Jacob. Bah, tu je t'amène? Bah ouais, pourquoi pas, ouais. Vu que j'y vais. Allez. Allez. Et moi, je vais partir m'entraîner pour la course. Ça marche. Bah, à plus, Alice. À plus. Attends. Des bisous, tout le monde. Des bisous. Bonne soirée. Bisous, tout le monde. Bonne soirée. Et puis, bah, quand j'ai fini, j'arrête, je te dis pour qu'on aille boire un verre. Ça marche. Allez, à plus. À plus. A plus. Bisous Zarod, bisous. Des bisous. Bisous toi. Merci beaucoup Léna de m'emmener. Merde, pourquoi je ferme alors qu'elle est ouverte? Parce que c'est bon. C'est l'habitude. Ouais, c'est tellement l'habitude de la fermer. Mais quoi? Bah ouais, mais... Mais quoi? Allez, c'est bon. Trop bien cette voiture, c'est quoi? C'est une bifta. C'est juste une petite bifta? Ouais. Elle est incroyable. J'adore. Et parce que je l'ai mis à couleur et en plus. Ah oui! Le meilleur poète du monde. Oui, oui, oui. Voilà, c'est bien là. Là c'est pas mal, avec le petit, avec le klaxon de pote, c'est plutôt bien. Ouais. J'espère que je gagnerai la course quand même. Bah j'espère, ouais. Je te le souhaite. T'as un bon moteur là-dessus? Non, j'ai pas augmenté le moteur. Faudrait que je le fasse. Après si tu ne contrôles pas ton véhicule, le moteur c'est pas tout, hein. Ouais. Après, c'est cher, je crois. Bah, là, il me reste. 12 000. C'est quand même. Vrai, ton Bifta, c'est quand même un petit truc, alors qu'il y en a. Il y en a qui ont jamais vraiment mis les mains sur un off-road. Et il y en a d'autres, ils ont l'habitude d'off-road, mais c'est des monstres. Ouais. Et c'est vrai que. Je fais beaucoup de villes, surtout avec ma Bifta. Mais du coup, tu sais bien la conduire. Ouais. Après, j'ai l'habitude de faire des super drifts avec les ambulances. Ah oui. Alors ça bosse comme on peut, hein. Ouais. Voilà, j'ai hâte de pouvoir réutiliser mon bras. Ouais, mais je pense que peut-être d'ici demain ça sera mieux, je pense. Ah ouais, après, j'espère, ouais, ça c'est cool. J'espère que ça sera bien. Surtout que ouais. Malgré tout, c'est vrai que casser un bras c'est pas rien quoi. Ouais. Ouais, mais du coup, vendredi soir, on fait une sortie, c'est ça? Bah ouais, vraiment. Ce serait trop bien. Allez. Let's go. Oula, il y a une réunion, là. Ah, ouais. Ouais, bah, je crois qu'il y a une réunion. Ouais. On commence à avoir un moment dans la réserve. Ouais, je crois que, ouais. Mais ça, après, vendredi prochain jour, en tout cas. Mais demain, il y a la sortie, la sortance, donc... Ouais. Ça marche. Pas de soucis. Des bisous, merci. Reposez-vous bien. On vous aime fort. Ouais. Voilà, pourquoi bon service.
Je vais leur dire que pour faire un check-up et moi je vais me coucher. Ok. Mmh. Ce que je vous proposerais bien. Merci. Dors bien toi aussi, Calé. Et qu'on a un nouveau stagiaire. On a une tradition qui commence à se créer. Il y a le cache-cache du SMS. C'est vrai. Ah. Ah, bah écoutez. Ah non, elle est pas en service, celui-là. Bah écoute. Bah, je veux bien faire. Bah, vous avez le level, bah vas-y. Ah bah, comme vous voulez. Bah, moi, je m'en fous. Sinon, on y va tous. Ça, c'est tous simple, pour beaucoup quand même. Yo. Et bon sens, je sais pas quelle idée. Ça va à peu près. Bah, allez-y, moi, vous allez m'expliquer un peu. Ouais, ok. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Rénové, je vous... Bah, je crois qu'il faut s'assurer comment va mon bras sous le plâtre. Ouais. Parce que j'ai fait une petite chute de 8 mètres de haut en carrobob. Ah, oui, j'ai entendu parler de ça. Petite chute. On va aller, on va retirer le plâtre, on va regarder un peu ce que ça donne. Bonne nuit. Alors, voyons voir un peu ce que ça donne. Je vais sortir la petite scie et... Ouais, ok. Et c'est parti. Ouais, parce que là, je l'ai depuis... Ça fait un mois, ouais, déjà, je crois. Ouais, avant-hier soir. Ok. Eh ben, c'est parti. Est-ce que je m'assois ou est-ce que je m'allonge? Comme vous sentez, vous pouvez vous asseoir. Et comment est-ce que vous vous sentez globalement, sinon au niveau des douleurs et tout ça? Au niveau douleur, ça va. Au niveau douleur, ça va? Ça va, mais je me dis que c'est peut-être parce que je le bouge pas aussi, vous voyez? C'est une possibilité, mais on va voir ce que ça donne. Bon. Vous commencez sans moi? Avant, j'ai cru pour mon truc. Bah oui, ils vont faire un cache-cache. Ah, c'est trop cool ça! Ouais, mais s'ils me prenaient pas, j'allais dire quand même. Bah ouais, c'est pas cool. Ça passe à quoi de faire un cache-cache sans contre tout le monde? Alors, hop, c'est parti, on y va. Faut que je réfléchisse un peu à ma cachette. Ah ouais? Un endroit où on ne va jamais. Sous un délit de passion? Ah oui, c'est vrai qu'il y a moyen de se cacher sous un délit de passion. Hop là! Et voilà. Ah non, on retire ça. Clac. Ouais. Hop. Ok, on va retirer le petit jersey. Voilà. Ok, bon. Ouais. Comment est-ce que vous sentez votre bras là? Ça doit vous faire peut-être un peu bizarre quand même. Ouais, c'est un peu sensible. Ouais. Bon, si c'est sensible, qu'il y a des fourmillements entre deux, c'est normal pour le coup. Ouais, d'accord. Là, est-ce que vous arrivez à le lever ou pas du tout? Attendez, j'essaye. Ça va? Ouais, okay. Ça va. Ouais, bon, de toute façon, il va falloir le temps que ça se remette. Hein. Ouais. Je pense que demain, quand vous allez vous réveiller, ça va vous faire bizarre. Ça va, vous allez sentir votre bras et vous allez vous dire « Oh yo, c'est quoi ce truc ?» Ah bah ouais. Ouais. Mais là, pour le reste de la soirée, ça va se remettre tout doucement, quoi. Ok. Et théoriquement, ça devrait le faire. Vous avez attendu assez longtemps. Je vais pas vous donner d'antidouleur, hein, c'est pas la peine. Ouais, je vais juste, ça va à peu près, ouais. Vous laisser un peu reprendre tranquillement le cours de votre vie et ça devrait le faire. D'accord. Ok. Bah, super. Eh ben super. Bon, bah, je vous laisse vous relever du coup. Ouais, ok. Merci. Nickel. Ouf. Parfait. Ok, voilà. Bah, vous retournez vers le hall alors. Ok. Va falloir que je fasse un petit peu gaffe. Ouais, parce que là, par exemple, si vous tentez des pompes à une main sur votre bras que vous venez de déplâtrer, vous allez pas tenir. Ah bah oui, oui. Ouais, je vais pas faire ça du coup. Hein. Non, vaut mieux éviter. Après, demain, pourquoi pas? Ouais. Histoire de réveiller les muscles, quoi. Pour se mettre en jambe, enfin en bras, quoi. Exactement. Bah, oh non, mais vous savez, c'est les clés. Bonsoir, Calé, vous êtes magnifique. Bonsoir. Merci beaucoup, Doc. Vous aussi, vous êtes très beau. Mais vous êtes plus beau. Ah, je sais pas si je suis plus beau, on peut dire que je suis pareil beau. Non, vous êtes plus beau. Moi, je suis pas objectif. Je suis également peut-être, mais en tout cas, vous êtes quand même très, très, très beau. Vous êtes distingué. Et le docteur. Magnifique. J'ai oublié son nom, mais il est très beau aussi. Ah, Richard, c'est vrai que Richard, il est magnifique. Le docteur Richard, il est magnifique aussi. Et le docteur French aussi, il est magnifique. Regardez ce bel homme. Et oui, oui, c'est bien bâti. Avec une jolie petite moustache. Oh, regardez. Et il a un super d'armure. Vous avez un coup. Et il a un super d'armure. Richard, tout va bien? Bon, on vous laisse discuter ensemble. Allez, attendez. Voilà. Je vous laisse discuter avec Calé. Non. Allez. Bon, Richard, remets.
J'aime beaucoup votre bienvenue en tout cas, monsieur Richard. Doc Richard. Oui, c'est parce qu'en fait, je vois qu'elle essaye de me mettre en couple avec toute la vie, la copine. Vous avez quel âge, Doc Richard? Petite question, parfaitement neutre. Bah écoutez, j'en ai 28. Soudainement, question, vous avez quel âge, quel est? C'est pas par méchanceté, Doc Richard, mais j'ai juste 21 ans. Bah oui, c'est ça en fait. Et toi, Richard, t'as quel âge? Tout juste. 28. Ça va, c'est pas. Vous êtes pas si vieux que ça, vous trouverez l'amour, Richard. Ouais, mais après, vous êtes encore magnifique, Doc. Vous savez, vous avez pas 25 ans. Ah si, merde. Mais vous pouvez quand même trouver l'amour. Bah oui, mais y a pas de. N'est-ce pas, Richard? Vous avez tout votre temps. Richard cherche l'amour. Mais non, justement. Mais vous avez tout votre temps. J'ai l'impression. Mais non, c'est pas moi qui cherche l'amour. C'est. Ne vous inquiétez pas, Richard, ça va le faire. Bah vous inquiétez pas, vous avez tout le temps, et puis vous êtes encore très beau. Et puis vous rencontrerez plein de nouveaux passeurs, j'en suis sûr. Ah oui, c'est très bien ça. Encore très beau. Ces jolies personnes. Pour l'instant, sont là pour vous. Par contre, je vais traquer après les avoir soignés. Mais non, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ouais, pas en service. Le consentement, c'est important. C'est important. Oui. Ouais, parce que si je traque quelqu'un sous anesthésie, ça va être compliqué. Hein. Oula. Eh ben oui. Oui. Vous verrez pas, quoi. Après, ça peut être pratique pour... Non, c'est pas pratique. Non, c'est pas consentant. Non, parce que vous savez, des fois, il y a la technique pour voir si les gens se réveillent. Bah, je suis sûr que là, vous pouvez se dire, vous avez de beaux yeux, tu sais. Et là, tu sais ce qu'il va réagir en mode, oh, bon, oui, merci. Ou alors, ah, dégage, t'es moche. Genre, on sait pas, hein. Peut-être on va voir la personne rougir et tout. Oh ouais. C'est adorable les gens qui rougissent. Mais c'est un chien. Oh, mon chien. Coucou toi. Yo. Bonjour le chien. Salut. C'est toi le chien qui est en réponse aussi mon petit cancer. Il est trop beau. Oh non. Bah non. Ne vous inquiétez pas, je suis sûre que c'est pas un cancer. Une petite tutu. Bonjour. Deux chiens. Comment qu'il s'appelle le toutou? Oh, il y en a deux. Alors ça c'est Quexo et ça c'est Obama du coup. Et c'est pour Obama qu'on est là. J'ai entendu des lettres mais j'ai rien compris. C'est pour Obama. Alors Quexo. Quexo, il est plutôt baraque. Celui qui a des puces, c'est Obama. Obama, Quexo et Obama. C'est lequel qui serait potentiellement malade? Celui qui a des puces. Ok. Bah. Mais on lui laisse ses puces, ça permet de les différencier. D'accord. Mais il va souffrir. Mais non. Mettez-lui un collier différent. T'inquiète pas, on va les enlever. Allez, viens, Obama, on va te soigner. Bah oui. Si vous les endurants. Allez, viens. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Bah si. Ah, j'avoue que t'inquiète pas, Quexo, ça va bien se passer. Oui, ça va bien se passer. Il a l'air un peu perdu. Oui, bien sûr. On sera juste. Allez, viens. Allez, viens, Obama. Allez, n'aie pas peur. Si son copain partir, après, il va être triste. Bah oui. Allez, ça va aller. Il a l'air plutôt baraque, Obama. T'as dit quoi, du coup? Non, mais peut-être que ça ira. Mais vous savez, donc Richard, c'est peut-être ça l'idée pour vous. Quoi? La musculation. J'ai cru que vous vouliez me casier avec un chien. Quoi? Mais non. mais j'allais dire non, mais oh. Mais la musculation pour impressionner quelqu'un, c'est ça que je voulais dire. Mais quelle idée. Qui que ce soit. Mais quelle idée avec un chien, mais enfin. vous êtes pas bien. Enfin. Non, moi je voulais dire de impressionner quelqu'un par la taille de vos muscles. C'est ça que je voulais dire. C'est pas la taille qui compte. Ah non, c'est pas. Oui. Bah non. Mais non, mais ça peut impressionner quand même, vous voyez. Oui, c'est pas la seule chose qui compte. Mais pour des gens, pour certaines personnes, ça peut compter quand même. Oui. Après, oui, c'est sûr qu'on va pas dire aux gens, bah non, ça compte pas, alors que pour eux, ça compte. Bah oui, voilà. Oui. Après, toute la subtilité dans les personnes à qui vous adressez et à qui vous voulez plaire. Je crois qu'il est parti. Vous êtes bien, Richard? Je crois qu'il en a une part. C'est possible. Bon. Oh, mais... Non, je vais... Je suis désolé si je vous ai mis mal à l'aise, monsieur Richard. Ah non, vous m'avez pas mis mal à l'aise, vous inquiétez pas. Oh, bien sûr. Non, je vous assure, non, c'est juste que ce patient me préoccupe. Ah oui. Bon. Ouais. Tu veux avec? Mais comment? Vous aimeriez bien lui montrer vos muscles?
Allez, je vais aller tuer l'un là-bas. Hein. Ah ok, d'accord. Eh ben, bonne soirée, Lordog. Oui, faites attention. Et puis, pensez bien que un petit peu de déshydratation, alors pas trop, hein, parce que c'est mauvais pour la santé, mais un petit peu de déshydratation, ça met en valeur. Voilà, okay, petit tip. Pensé, hein. Merci. Je vous en prie. Allez, hein. Pas de soucis. Bonne soirée. Bonne soirée. Bref, bah merci pour tout. Donc, Bren, sur moi, je pense que je vais appeler Jarod. Et n'hésitez pas à repasser, hein, Richard sera très content, je pense. Ah, bah oui, oui, bah avec plaisir. Avec plaisir, avec plaisir. A bientôt, du coup. Bah, à bientôt, bonne soirée. Bonne soirée. Ok, j'ai fini. Et ils m'ont enlevé le plâtre. Et je peux quand même pas travailler. Mais au moins j'ai pu le battre. Du coup, faut venir te chercher aussi. Ouais, s'il vous plaît. Ok, je finirai pas et j'arrive. Ça marche pas. Quelqu'un me reçoit ? Allô, allô ? Oui, Excel, tout soit. On a un petit souci avec la personne qui n'a plus d'essence. Ses clés ont disparu et la voiture est verrouillée. Tu peux la déverrouiller. Oui, dans ton petit menu métier, tu peux déverrouiller un véhicule. Ouais. Par contre, ne panique pas si ça marche pas la première fois, c'est comme les clés, ça peut être un peu cassé. Donc des fois, faut le faire 2-3 fois. Ok, très bien. Bah là, c'est disons que la voiture s'ouvre, mais que pour une seule personne. Donc c'est... Ouais. Ouais, mais t'inquiète, une fois que tu l'auras déverrouillé pour de bon, ça devrait aller. Ok, bah je vais essayer ça du coup. Bonsoir monsieur. Et bonsoir, taxi. Ah oui. Tiens, rappelle-moi Jarod, t'as quel âge déjà? 34 pourquoi? Ok, ça a fonctionné. Bon, c'est comme super, ça. Bonne nouvelle. Parce que Doc... j'ai oublié son nom, mais Doc Richard, qui cherche l'amour de sa vie. Doc Richard? Oui, il a 28 ans. Qu'est-ce qu'on a à voir avec mon âge? Bah parce qu'il y a Doc Branch et Doc Ortiz qui étaient très enthousiastes vis-à-vis de moi, mais bon, 7 ans de différence, c'est un peu beaucoup. Enfin. Voilà. Bref. Pour moi, en tout cas, c'est un peu beaucoup. Je pense qu'il y a des gens que ça gêne moins. C'est ça. Je pense qu'il y a des gens que ça gêne moins, mais moi, ça me gêne un peu quand même. Ah.
maintenant qu'elle revienne, parce que je sais pas si... Ouais. On va voir. Après, si elle a reçu un Devro, ça devrait le faire. Attends, mais Clinton, il y a quel âge, lui? 28. Et ben, Ortiz, elle a 27. Mais oui, mais Ortiz... Mais... Enfin... De quoi? Je sais pas. Je pensais qu'elle était déjà... Avec qui? Qu'elle avait déjà quelqu'un. Mais qui c'est? Le Doc Prince. Enfin, je pensais. Mais je sais pas, je me trompe peut-être. Je sais pas, je vois qu'elle parle de lui et qu'ils sont meilleurs amis. Je pense pas. Ah bon, d'accord. Bon, mauvaise interprétation. Hein. Ok. Et en plus, là, on parle de différents âges. Oui, c'est vrai, oui, après. Comme je disais, hein, y a des gens que ça dérange moins que d'autres. Mm. Moi qui le cache, hein, mais. Je crois que j'en ai parlé, mais c'est chaud, c'est mon mère. Hein, que je sais pas après. Oui, non, je crois qu'il est un petit peu éloigné de quoi. Que quoi? Je crois qu'il est un petit peu éloigné de son âge à elle quand même. Mais il a 60, si je me trompe pas, ouais, je... Oui, voilà, comme je disais, un peu éloigné. Si je me rappelle pas. J'ai tout vu, Axel. Merci. On a bien vu la même chose. J'ai tout vu. D'accord, donc c'est pas dans ma tête, super. Ah non, c'était pas dans ta tête et c'était plutôt spectaculaire. Je tiens à m'excuser auprès de Jarod qui répare cette voiture depuis tout à l'heure et je viens et je la défonce. Ah, c'est pas ta faute, t'as fait de ton mieux, je pense pas que tu t'attendais à ce que la voiture elle fasse ça. Je vais pas te mentir que bah, je m'attendais pas du tout. Surtout qu'elle ne peut pas bouger, il n'y a plus d'essence. Là... Franchement, frayé. Non. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Sombre affaire que celle d'un véhicule sans essence qui vole et fait des saltos. Bon. J'ai aimé te faire ces souffrances. Viens briquer. Non, mais non, arrête. Par contre, elle se dérange pas nos procureurs qui a apparemment fait de la propagande pour les Puntos. Ah bah ça, oui. Apparemment, il y avait 3 secrétaires et c'était des voitures. 3 Moi, je croyais que c'était toujours la même. Mais il y en avait 3 en même temps derrière le comptoir, apparemment. Bon, je d'accord. C'est très étrange. Ah, d'accord, d'accord. Eh ben, il a embauché du coup. Oui. Parce que la dernière fois, il n'avait qu'une seule. Bah bon. Ouais. Alors. Oui, du coup là je compte qu'une vitre, hein, là, le tout petit truc là, il... C'est oui. Ouais, non, tu comptes qu'une vitre. Ok.
Tu peux compter une deuxième vitre si c'est une grande vitre, mais pas pour le petit bout de machin à l'arrière. Tu comptes une vitre et le déplacement aussi, mais pas le déplacement. Ah oui, le déplacement, oui, bien sûr. C'est vrai. Bien sûr, bien sûr. Mais je voulais dire en termes de compter les vitres. Tu comptes pas le petit bout de machin qu'il y a derrière la vitre, la vitre principale. Si tu as deux vitres, parce qu'il y a deux portières et tout, bien sûr, mais là, bon, c'est pas le cas. Après, en vrai, on va pas se mentir, Axel, que le prix d'une vitre, c'est 10$, donc au pire, si tu te plantes, c'est pas la fin du monde. Si t'en comptes une en trop, tant pis. Pourquoi acheter ça, quoi? Pourquoi acheter ça? Ah, oui. Pourquoi acheter ça quand on pourrait acheter une ici? Non, c'est pas le même prix de ça, par contre. Je sais. Mais... Bah, pourquoi acheter ça quand tu peux acheter un quad? Ou un quad? Ou un quad? Le blazer, je crois qu'il est un peu moins cher et je trouve ça... Ouais, je sais pas. Ah bah moi, la première chose que j'ai économisé, c'était pour mon quad, hein. Ah pareil, mon premier véhicule, c'était un blazer. Oui. J'étais trop content de l'avoir, d'ailleurs. Il y a les full custom, le tien? Je crois. J'ai cru qu'on était mieux. Je crois que oui. Je suis pas okay. Sûr, mais je crois. Ça va être chaud la course. Là? La course. Ah oui. Après, je crois que la Blifta de Luna est pas full pair. Donc la ligne, ça peut passer. Oui, elle m'a dit qu'elle était pas full pair. Pas être compliqué quand même. Hop. Et du coup, la distance en parcourue en flatbed, je fais aller-retour? Oui, tout à fait. Ok, et j'arrondis. Parce que j'avais fait 4,12 km et quand je mettais 4,12 km, ça me disait valeur dans le tableau. Du coup, j'ai mis juste 4 km. En fait, c'est une virgule, c'est pas le point. Ah, ok. Attention. Tout le monde fait l'erreur, c'est normal, mais. Mais c'est... Faut faire attention. Il faut une virgule. Sinon, il est pas content. Oui. Il fait grave. Ça rajoute 6$, donc. De quoi les 4 km, ça rajoute 6$? Non, les 12. Ah, d'accord, ok. Oh, ça monte vite en vrai. Oui. Déplacement de bête, ça monte vite. Ouais, une facture à 300$ pour une Punto, ça fait mal quand même. 316$ pour une Punto, putain. Bah écoute, faut faire plus attention à ces véhicules, hein. Ouais. Après, c'est une Punto, quoi. Je n'aurais pas, s'il te plaît. Ah, je suis toujours en... Ah oui, c'est vrai. Jaron. Je fais ça de suite. Ah, désolé. Demain soir, je suis passé à l'hôpital, ils m'ont dit, d'ici demain, ça devrait être bon. Ok, bah tant mieux. Oh, tant mieux, parce que là... Tant pis. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va, Oliver, et toi? Bonsoir, Richie. Madame. Vous êtes? Salut, Oliver. Moi, je suis là. Richie? Vous êtes, pardon? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai pas connu votre... D'accord, c'est toi. Désolé, c'est juste vu que tu répondais pas et... Bah si, j'ai répondu. J'ai pas entendu.
T'as pas dû parler très fort, c'est vrai que vu que tu répondais pas, je me suis dit, mince, c'est peut-être Jarod qui est juste adopté un peu style, mais. D'accord. Non, ça va de votre côté ? Ouais, ça va, tranquille. Ok, c'est juste. On va dire qu'il s'est passé des trucs en ville et ouais. Quoi, tu veux dire les coups de feu Ouais, bah, de ce que j'ai compris, c'est. Bon. C'est moi qui m'occupe de la facture du coup pour la Punto. Je laisse me la faire. C'est tout bon, Richard. Ah oui, tout à fait. Ok. Merci. Vu que bon, allez, bonne soirée. Bonne soirée. Ouais. Et du coup, mademoiselle, vous êtes Moi, je suis Lou. Lou Valentine. D'accord. Oui. Ok. Cool. Nouvel employé du TQ. Moi, je vais faire réparer la vieille et je rentre au quartier. Il y a beaucoup de nouveaux employés du TQ. Oh. Bonsoir. Moi, j'étais le premier employé. Et voilà. Mais beaucoup demandé à arriver. Il y a Uri, puis il y a eu Oliver. Puis maintenant, il y a Lou et Charlotte. Du coup, c'est. Ah non, ça doit être Axel qui doit avoir la facture pour la Punto, c'est ça ? Ouais, tout à fait, c'est dans les 310, 330, je sais plus. Seulement ? Ah oui, non, j'avais oublié qu'effectivement, c'est. Enfin, c'est vrai que c'est seulement 5 ans, je crois, une Punto, donc avec l'Inter, ouais, effectivement. 200 dentaires, enfin 250, c'est, ça. C'est logique. Mais oui. Exactement ça. Ah bon. Faudra que j'actualise sur le forum du Tequilala le nombre de cocktails que j'ai vendus. Ouais, effectivement. Ah oui, j'en ai vendu 500 là. J'ai 90 kilos. Du coup, elle est la facture ou on attend Axel 70 dans la voiture. Attends, mais du coup, je l'ai pas moi. Le... Et voilà, il n'y a pas de souci. C'est réparé. Bah, c'est bon, attends, ouais. D'abord qu'elle fasse la facture, monsieur. Ouais. Je vous donne la petite Lou, facture. C'est bon, je m'en occupe. La facture pour la Panto, c'est pour Oliver. Ok, ouais. Bah c'est très gentil. Donc... C'est combien la réparation? Il n'y a pas de souci. $130. C'est rien. Et c'est vu que vous venez d'arriver en ville, c'est plutôt compliqué. C'est moins cher qu'une course de taxi. Ça marche, bah c'est très gentil. C'est vrai. Donc comme ça, à partir du moment où c'est moins cher qu'une course de taxi, ça va. C'est vrai. Attends. Pour la couleur, il y a déjà une modification en cours. Donc je sais pas si vous souhaitez attendre ou repasser plus tard. Tout dépend combien de temps il faudra attendre. Ah bah là, je sais pas du tout. Passez une bonne soirée. Merci, Erwan. Bonne soirée. Alors du coup, la facture pour la Punto, pour la Punto c'est pour qui ouais, c'est pour moi qui la prend. Très bien. Voilà. Mais derrière, bonne soirée. Alors, je recalcule tout ça. Normalement, c'était 310. Mais... 316, il me semble. Oui, c'était le 16. Pas de soucis. Et nickel. Hop, et voilà. Nickel, c'est payé. Merci bien. Ben, Lou, tu montes dans ta voiture et tu me suis. Ça va. Et bonne soirée, Oliver. Bonne soirée. J'ai hâte. Que va-t-il ? Parle déjà. J'imagine qu'il y a trop d'imprimantes. Et c'est tout. Et de rien. Et bonsoir, monsieur Tom. Bonne soirée. J'allais dire sauf si 15 personnes d'affilée viennent, dès que Axel a terminé avec le véhicule SPI. Ouais, on va essayer de pousser enfin. On va essayer. On croise les doigts.
ça va faire. Parce que là, c'est un peu compliqué. Bonne soirée. Il fait un défilé peut-être. Bonne soirée monsieur. C'est important de dire bonne soirée, alors moi je dis bonne soirée. Ah oui, bien sûr, bonne soirée. Ah oui, bonne soirée. Bon courage. Bonne soirée. Eh ben. Allez. Pas de client ce vent, sale maman. Qui met en pause. Voilà, alors c'est fait. Quelle est plus rapide que la lumière? Du coup, on rentre la flatbed. Oh, pour une pause, je pense que c'est ok. Tu sais que s'ils voient les flatbed, ils vont venir attendre. On peut reculer le bleu et le mettre le rouge dans le. C'est, même comme, juste... c'est comme vous le sentez, je sais que moi j'aurais profondément la flemme de le ranger maintenant pour la ressortir après, mais. Oui, on peut juste la reculer là, entre les bâtiments. Pff, on va plutôt pas les toucher. Oui. Ouais, c'est vrai. Oui. Ça c'est quoi ce bruit? C'est quelqu'un qui a encore trouvé l'autoroute? C'est encore quelqu'un qui essaie de rentrer violemment sur le parking derrière le Benise. Ah, c'est ça, d'accord. Le parking public. Mais ils sont stupides. Oui. Bon, et ben, pareil, petite pause. Allez. Tu veux venir boire un verre avec nous ou... Je vais plutôt les mettre au bord de l'eau, parce que j'ai mal à la tête. Du coup, ouais. Ça marche. Va... Mais une prochaine fois, avec plaisir. Ouais, bien sûr. Ça écoute, profite bien. Salut, bon, on se revoit tout à l'heure normalement. Mais non, moi je vais me coucher après. Moi je pense que je vais me coucher aussi. Ok. Passe une bonne nuit du coup. Oui. Et bah, vous bonne nuit du coup. Oui, effectivement. Bah, bonne fin de soirée à toi et repose-toi bien. Ouais, et du coup, je peux faire de la customisation ou pas? Non. Non, c'est au bout d'une semaine. Semaine. C'est ça. Ok. Pas tout seul. Toute seule. Et bah, ça marche. Je vous dis à plus tard ou à demain si on se recroise. Ouais, ça marche. Ça marche. Et pense bien à pas te coucher trop tard et à te reposer. Ouais, carrément. Carrément. C'est convaincant. Tellement. Du coup, on va mettre ce putain de limitateur là. Ça te fait mal, hein. Ah ouais. Attends, je crois qu'il est fermé. Je te comprends. Putain. Bon, après m'être fait interpeller, enfin, comment dire, sans aller jusqu'à quoi que ce soit, hein, juste après que la police m'ait couru après pour me dire que c'était pas bien, que j'étais allé trop vite. Pendant 4-5 jours, je roulais à 90 en Akuma, j'avais l'impression de la faire crachoter, la pauvre. C'est pas naturel pour elle. Tu m'étonnes. J'ai l'impression de traîner quoi. Ah, c'est pas que j'ai l'impression. Plafard. Est-ce cool. J'ai vu tout le monde. Eh, faut profiter de son véhicule off-road ou bien. J'ai dû piquer les flics alors, mince. Peut-être pas, parce que là on va peut-être pas tellement profiter de notre pause si tu fais ça. Ça va finir en GAV et je préfère éviter. Bien, j'ai dit que les freins ont lâché, c'est pas fait exprès. Je sais pas à quel point cette explication serait considérée comme satisfaisante. Je sais pas non plus. Ouais, ouais. Oh, je fatigue là. Ah, pareil, ça commence tout doucement. Hop. Je sais pas si on peut se garer derrière. Je crois que c'est. Je sais pas, moi je me garde en face parce que je sais pas si on peut se garer.
Bah écoute, je sais pas trop. La Brando, c'est un véhicule employé, mais pour le reste, je sais pas. La Punto, oui, la Maro, oui. Les grises aussi, je crois. Ah bah, ça commence à faire beaucoup de véhicules employés pour que ce soit une coïncidence. Allez, bien, allez. C'est très bien. Du coup, s'il n'y a que des véhicules employés, ils ne peuvent pas avoir beaucoup de clients. Effectivement. Par contre, ils ont une autre Panto sur le devant sur leur devanture. S'ils me disent qu'ils ont voulu la faire rentrer pour être secrétaire aussi. Ou qu'elle était déjà à l'intérieur, qu'ils ont voulu l'emmener de force par des petites portes. Attends. Parce qu'elle était pas mal aussi cette affaire. Ah mais attendez. Super, merci. Attendez, non, attendez, je sais où est-ce qu'il est. Bah moi aussi. Bonsoir qu'elle est, c'est bon. Ah, salut. Pour venir par un coup. Je vais y rentrer. Pas de soucis. Allez. Attendez, venez avec moi, je vous aime. Je crois qu'il me disait attendez à nous, putain. Oui bah oui. Moi aussi. Ah oui, effectivement, il y a. Tu l'es. C'est pas grand. Bah finalement, tout le gang, hein. Quand même croisé. Bonsoir. Et bonsoir. Et du coup, rebonsoir. Oui, elle est bleue. Vous voulez un instant? Oui, tout à fait. On en avait marre, alors on a pris une pause. Donc, vous voulez quelque chose à boire? Oui. Bah, ça serait pas mal, oui. Vous voulez quoi? Alors, écoutez, moi, ça fait des semaines qu'on me parle d'un fiac. Oui, je ok, je vais vous servir ça de suite. Merci. Non, c'est petit jeu. Pas du tout. Pas du tout. Ah non, ça va rendre du bénisme. C'est des cheveux, je crois. Eh oui. Est-ce que quelqu'un aurait une deuxième pointe en bleu? Attention, John, de pas attraper le fiac du monsieur. Ah oui, merci. Hop. Ah, bon. Je vais te laisser. Donner. Merci beaucoup. Et je te fais la facture directement. Des 35$. Oliver. Hop. Et je vous accroche, monsieur, à côté. Quel est? Tu parles un peu comme ça. Ah ouais. Un quoi? Whisky. Un whisky, ok, pas de problème. Merci beaucoup. De rien. Hop, je vais aller chercher le whisky directement. Ah bon. Le whisky. Ah. Ah bon. C'est pas de ça. Je vais le faire. Oh. Ah, c'est alors, pas mal, hein. C'est pas ce à quoi je m'attendais, mais c'est pas mal. Je vérifie les tarifs du whisky, vu que... C'est pas mal du tout. Quoi? C'est honteux. Ah, mais beaucoup de monde prend des fiacs. Ah, bah oui. C'est ça le problème. Les fiacs, y a pas de problème. Les tarifs, je les connais par cœur, vu que tout le monde les prend. Et après, le reste... Oui, wow. quand il s'agit pas d'un fiac, c'est plus compliqué. Hein. C'est ça, c'est... Alors, le whisky tout court... Que je retrouve. Bon, ben. Ah, si. Ah, 25$, ça va, c'est moins cher que le fiac. Ouais, c'est bon. Tenez. Et je vous fais la facture de suite. 25$. Ok. Hop. Et c'est payé. Merci beaucoup. Et merci à vous, monsieur. Y'a pas de quoi. Bouf. Alors. Bah, ça fait bien. Oui. Effectivement. Surtout que moi j'en pouvais plus. Hein. Essentiellement confiné au bénisse par manque de transport. Et en même temps, rien à faire. Bref. J'avoue que ça c'est l'enfant. Moi j'ai juste la regarder. Ouais. Ouais. Tu peux recommencer demain, non? C'est quoi? Tu peux bosser demain? Moi, demain, ouais. Ah, ils m'ont dit que demain, ça devrait le faire. Allez. J'ai très hâte. Tu m'étonnes. Surtout que jeudi, je pourrais pas être là du tout. Bref. Aussi, à la course jeudi, ça va être un enfer, je sens.
Ah bah oui, oui, ça c'est sûr. Comme à chaque fois. J'arrive toujours pas à savoir comment Oliver a réussi à vendre 2299 cocktails. Alors c'est là, énorme. C'est beaucoup, oui, en effet. Quand je vois moi le temps que je mets à en vendre 500. J'ai réussi à même... J'ai même pas réussi à en vendre 160. Ah ouais? J'en ai vendu que 140. Et après, le problème, c'est que il faut trouver de nouvelles personnes à qui les vendre. Et oui, tout à fait, tout à fait. Puis certains, ils sont pas sympas. Hein. On s'est fait taper 2-3 fois avec Charlotte. Mais... Oui. Après, c'est pour ça, faut c'est essayer, cool, faut ça. Avoir un minimum de sur soi pour essayer de se défendre de... dans le cas où il y a une mutinerie. Parce que bon, si on commence à se faire tabasser, on est rapidement à terre. Et oui. Okay. Bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça que moi j'ai toujours le petit couteau à saucisson. Il est pratique et il fait fuir les gens. C'est plus important. Effectivement, c'est pratique. Ah ben, après tout, le couteau à saucisson, c'est à base. Ça permet que n'importe où, hop, une petite tranche de saucisson et c'est reparti. Ouais. Ah, c'est trop cool ça. Ah ben, forcément. Ouais. Après, ça sert à tout un couteau. Oui, non, mais c'est sûr. Si jamais l'électricité de la voiture ne marche plus, hop, au couteau. Pour tout, ça peut marcher. Ah ouais. Vous avez besoin d'une nouvelle boîte, hop, un couteau. Vous renversez accidentellement une biche, hop, un couteau. Ah, c'est pour la biche. Pauvre biche. Pauvre biche. Mais, écoutez, si elle est renversée, elle est déjà morte, donc autant la transformer en saucisson. Non, mais et au final, je comprends bien le raisonnement, dans le cercle mais... infini du saucisson. Je comprends le raisonnement, oui, mais bon, encore un, pas encore un fois sans fois. Ça doit être particulier du saucisson de biche. Après, c'est pas mauvais. Comme on dit, tout se mange. Oui, bien sûr. Oui, si on veut. Bon, après, j'ai pas encore renversé d'être humain, donc j'ai pas encore essayé du saucisson humain. Oui, mais... Je pense au mieux. N'essayez pas. Mais oui, n'essayez pas. Je vais éviter, je me dis. Je crois que l'État laisse tranquille, je crois que l'État laisse tranquille les trucs d'animaux. Voilà. Oui, après, oui, c'est sûr que si je transforme quelqu'un en saucisson, là, je pense qu'ils vont peut-être me taper sur les doigts. Effectivement. Peut-être. Je crois qu'en plus ça coûte, enfin tout ce qui est cannibalisme et autres, c'est puni par la loi en plus. Ah ben ça j'en sais rien, moi j'ai jamais essayé. J'imagine. Ouais. Après je me dis quelque part, si je fais du saucisson et que je le vends au marché noir, techniquement je suis pas cannibale. Ah, non, non, tu le consommes pas, c'est sûr. Ouais, voilà. Voilà. Donc techniquement au niveau de la loi, je serais bon. Et oui, ça dépend si t'as fait un meurtre ou pas. Oui, parce qu'à ce moment-là, ça va pas. Oui, bon, après, du coup, dans un autre, si je trouve un cadavre humain sur le bord de la route et que je le transforme en saucisson, dans tous les cas, je suis innocent. Donc, c'est déjà un autre cadavre. J'ai pas prévu les SMS. Je pense que. Comment ça s'appelle manipulation d'un corps. Profanation. Profanation. Quoi. Oula. Alors non, pas profanation. De quoi, tu n'avais pas fait de truc à ce corps. Faut pas rêver. Eh non, mais vous avez, il y a des problèmes dans les entreprises de la ville entre Finn qui voulait pisser sur ma tombe et là maintenant que c'est Albert qui parle de profaner des tombes. Ah non, je veux pas profaner des tombes. Il veut faire du saucisson d'homme. Ouais, c'est une histoire compliquée. C'est rien d'offensant. Là, on parle au niveau légalement. C'est si tu trouves un corps. Est-ce que tu peux le transformer en saucisson et le revendre? Moi je pense bien que non. Hein. Si t'as envie, on peut appeler le procureur ou Francesco est en service ou. Alors après, je veux la possibilité parce que s'ils me disent vous êtes totalement fou et qu'ils me mettent en prison, j'aurais pas l'air malin. Mais oui. Mais ouais. Et bon, de base c'est parti parce que. Du principe que si en voiture, tu vois, je renverse une biche, et bien plutôt que de laisser le cadavre sur le bord de la route, autant le transformer en saucisson. Et oui, oui.
Charlotte, du coup, t'as pu ta voiture, tu l'as rangée avec au garage, c'est ça? Je l'ai pas encore rangée au garage. Parce qu'elle est plus sur le parking. Ah, non, moi je suis partie avec à la compagnie des taxis. D'accord, mais avant d'aller voir le Doc Lobby, tu l'as mis au garage ou? Non, je pouvais plus bouger de toute manière. T'es revenu avec ou pas? Oui, oui, je suis revenu avec. Voilà. D'accord, oui, voilà. Donc c'est bon, elle a pas perdu. Elle est pas revenue avec. Non, 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 tout va bien. Mais bon. La Punto est fiable. C'est ça, oui, bien sûr. Alors, la Punto est fiable, on verra sur le long terme. Après, un petit coup. Oh, dis pas ça. Et c'est toi qui disais qu'avec la Punto, on pouvait pas faire d'excès de vitesse. Je suis pas d'accord. La Punto, effectivement, elle a pas une vitesse de pointe énorme, mais par contre, elle a une accélération de malade. Hein. Ah ben ouais, ça oui hein. Je veux dire t'as déjà vu une Punto essayer de démarrer sur l'eau ou pire sur l'eau. Ou pire sur la neige. Je veux dire moi j'avais une Punto à l'époque où il neigeait à Los Santos. Je te jure que quand je l'ai démarré je faisais un 360 et ensuite j'allais tout droit quoi. Ah ben mais, voilà, super. Non, de conduire d'une Punto sur la neige. T'as reçu l'argent que je t'ai envoyé? Non. Oui c'est il y bon. Avait pas eu un événement parfait. Qui était de la Punto merci. Sur glace du coup. Ça me dit rien. Ah ben ça pourrait être sympa de la Punto sur glace. Ah, t'as pensé à la ça va mieux, Charles. Punto sur glace. Il y a un concept, mais je sais pas si c'est un concept auspicieux ou pas. Je crois pas qu'on n'a pas de patineur à Los Santos et malheureusement, il est pas prêt de neiger. Suspension à la Punto. Et hop, elle fait des petits sauts, des petits backflips. Et ce serait t'es si fan de Punto, pourquoi est-ce que t'en prends pas une et tu rejoins alors pas non, la société n'est que de place et elle a un petit coffre. Il est fan de Punto, mais il a un petit peu de. T'as pas une deux places que t'as? Ah non, c'est une sedan. C'est une sedan. C'est une 4 places avec un coffre de 70 kilos. Mais ouais. Je peux y caser pas mal de trucs, notamment pas mal de saucissons. Bah, si! Et seulement les points de saucisson de sœur! Faut prendre des. Tu as fait quelqu'un? Comment? Comment? Tu as fait quelqu'un? Du coup, j'avais stocké 500 cocktails. Dean qui veut customiser sa Punto. Ah, d'accord. Ah oui! En vrai, c'est quoi? Est-ce que tu peux me poser devant chez moi pourtant? Là, je suis en train de piquer des un truc de fou. Ouais, c'est l'effet de l'alcool là, je. Wow! Ouais, non, l'alcool ça fatigue. Tu commences à avoir la tête dans les nuages. Ouais, c'est ça. Oh. Mais en tout cas, merci beaucoup pour le verre, c'était super sympa. Ah, y'a pas de soucis. Pas de soucis. Merci à vous, passez une bonne soirée. Merci, bonne soirée. Normalement. Ouais, je crois que je vais faire pareil. Salut. Y'a pas de soucis. Putain, customise une Punto quoi. Ça te rend compte? Tu reviens dans ta pause pour aller customise une Punto. En vrai, je le fais parce que c'est Dean. Il n'y a pas été lui, je pense pas qu'il serait. Oui, j'imagine bien, ouais. J'ai bien compris que dans ton discours, c'était Dean la partie importante. Parce que là, quand même. Quand même. Mais après, Doudou. Ouais. Attends, je mets ce putain de limitateur. Voilà. Ouais, moi je te remets pas. Attends, je crois qu'il a pas marché le limitateur. Pourquoi? C'est bon, ok. Ok. Je sais pas pourquoi je suis autant fatigué alors que j'ai pas fait grand chose. Mais bon. C'est de rien faire. À faire sa je pense, ouais. C'est le fait de regarder les choses se passer autour de moi. C'est fatigant. C'est pas super. Ouais. Oh, génial. C'est là, dans sa côté. Quoi? Non, c'est... Oui, voilà. Ok.
Merci beaucoup. Passe une bonne soirée. Toi aussi. Bonne nuit. Salut. Bisous. Bisous. Et bonne nuit à tous!